Et c'est la suite de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. On va chez Zora? C'est parti. Du coup, j'ai pas fait de pause. Je ferai une pause au prochain. Ah, voilà. Je fais ça et... au revoir le fond vert. Fond vert. Oust. Ouais, je pense que je fais ça. Ah, je sais pas. Peut-être que je ferai Révaï quand même. Je sais pas. Je sais pas si je fais les 4 avant de faire une pause. Les Zora vivent au domaine Zora dans la région de l'Amel. C'est pas sûr. C'est un peuple aquatique dont l'espérance de vie est bien supérieure à celle des autres peuples. Mipha, la princesse Zora, douée du prodigieux pouvoir de guérir les blessures d'autrui, a été choisie pour piloter Varuta, la créature divine de l'eau. Accompagnée de Link, Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi d'Hyrule au domaine Zora. Elle y est reçue par Dorepha, le roi des Zora, mais... Que Mipha pilote la créature divine. Oui. Mon père a toute confiance en elle. Mipha accomplirait brillamment cette mission. Il n'en doute pas un instant. Piloter une créature divine pour sceller le fléau serait une mission très importante. Mais cela implique aussi des risques considérables. J'ai entendu dire que le chevalier purificateur n'était pas encore apparu. Et que les préparatifs pour lutter contre le fléau n'étaient pas terminés. Eh bien... Comment pourrais-je me résoudre à exposer ma fille au danger de cette guerre? Mais... Votre Majesté! Je viens au rapport! Link! Tu as encore grandi, ma parole! Et pourtant, tu n'as pas changé. Oh. Est-ce que c'est... un gardien? Il est mignon. Votre Altesse! Une horde de monstres est apparue sur le mont de la foudre et approche du domaine. Et mon père? Sa Majesté a lui-même pris le commandement et s'est mis en route pour les arrêter. Mais c'est Donald ! Mais... Son Altesse Sidon n'est pas à vos côtés ? Sidon a disparu ? C'est de Donald Rio, ça. Nous nous chargeons de retrouver Sidon. Occupez-vous de protéger le domaine. À vos ordres! Bon, j'ai oublié de changer la tenue de Link, mais c'est un détail. Ok, faut retrouver Sidon. Le capitaine Zora livre un combat difficile. Oui. Ouais, mais alors attends, voilà. Moi, je veux jouer... Ah, par contre, du coup, j'ai Urbosa. Bon, c'est pas grave. Oui. D'accord, bon, on comprendra mieux au fur et à mesure. Pour l'instant, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Ah ouais, non, bah jamais hein, la bombe. Hein. Je fais counter. Ça, c'est complètement le coup qu'elle avait au bouton, pour le coup. Ok, on a sauvé le capitaine. Qu'est-ce que... Ça l'a pris.
Ah, est-ce que du coup elle va craindre plus la foudre ou pas? Parce que là ils viennent de dire que c'était fatal au clan Zora, mais... Comment ça se passe du coup? Oh là là. Oh, c'est sympa pour l'instant. Pour l'instant sympa. Pour l'instant j'aime bien. Plus Mipha quoi. Mipha la best. Hein. Aïe. Je veux dire ça comme ça. Bon, pour l'instant il faut que je comprenne encore comment fonctionnent exactement ces combos. Mais et notamment l'intérêt de son ZR là. Quoique après ça me fait une attaque aérienne gratos hein. Aïe. Bon, à chaque fois que je fais ça, il a plus de vie l'ennemi, mais. Mais un jour, ça sera utile. Peut-être. D'accord. Aïe. Allez, on a bientôt le A. Ouais, voilà, on a le A. C'est super efficace. Ça fait plaisir. Bon du coup c'est bon. C'est bon de ce côté. Ah bah là t'es dans ton élément Herbosa. Pour le coup. Oui je sais, il faut que je sauve le Goron, oui. T'inquiète hein. I'm on in. Toujours pas les timings. Hein. Oh non mais les timings. Ça y est, j'ai l'impression d'être retourné dans ces clients là. Boum. Ok. Allez Link. Ah bah oui c'est vrai que Link Ah c'est vrai que Link j'ai pas changé son arme. Fallait que je teste la lance. Et bon. C'est vrai que cette arme elle est bien quoi. C'est vrai que cette arme. Paf 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 paf. Ok. Bah du coup on est bon de ce côté là. On peut descendre. Ça, les bombes c'est super efficace hein. Ouais. Non bah ça va être Mipha qui va y arriver avant hein. Mais bon. Ouais, on va aller jusqu'au sorcier de glace avec Link. Voilà. Ok. Boum boum boum. Et boum. Et là tu récupères ta vie. Très bien. Donc là on reprend Mipha. Ah oui on fait ça. Nickel. Ah non, c'est une baguette de glace. Non, c'est par là. Hein. C'est par là. Hein. Une nuée de monstres apparu près du domaine. Ah ouais. Ah ouais, le haut de la map, c'est un peu chaud, ouais. Oh, attendez. Hein.
Urbosa, voilà. Et Link, voilà. Mais au secours. Aïe. Bon, en fait, les esquives aériennes, je crois que ça marche pas très bien, ouais. Il est passé là. Boum. Ok. S'il n'y a que cela pour te faire plaisir. L'esquive quoi, l'esquive bordel, Urbosa, l'esquive. Jamais l'esquive. Hein. Bah non, ça. Ça devrait aller. Même si. Mais si, c'est vrai que Link là, son chemin, pas optime. Voilà, là les coffres sont ouverts, ok. Ouais. Link il a l'air plus vénère là. Link il est déter. Ouais ouais. C'est bien de venir vite avant qu'il fasse trop de dégâts. Ah mais les dégâts de Link c'est abusé. C'est un peu abusé. Bam. Ouais. Le problème c'est que ouais, là ils vont tous être en difficulté en fait. Alors que Link monte encore de niveau. Ouais. On va aller jouer Mifa après, hein. Et paf. La petite phrase de Mifa. Non mais c'est bon là. Hein. Link. Link il est mort. Non mais. Link, arrête-toi. Comme ça, ouais. Effectivement. Bon, en vrai, pour l'instant ça va, parce que j'avais peur que les phrases... que les persos sortent à chaque fois me coupe un peu du jeu. Pour l'instant ça va parce que c'est relativement discret globalement à côté de tout ce qu'il y a. Mais bon, peut-être qu'à la longue, je sais pas si ça va pas finir par me gonfler un peu. Adieu. Ok. Non. Décidément toujours pas. Mais dans mon malheur. Oh les dégâts. Oh les dégâts. Les dégâts. Mifa elle va aller là. Je sais pas trop où il est programmé pour aller Link là. Mais ah. D'accord. Un jour, on saura à quoi elles servent d'ailleurs les Nokorogu. Hein. Parce que pour l'instant. Est-ce que ça va nous servir à agrandir notre sacoche? Quoi ça peut nous servir en vrai? En vrai, j'ai aucune idée.
Parce qu'on a, on a une limite de 20 armes, mais ça me paraît pas abusé. 20 armes. Je sais pas du tout. Il y aura sûrement un intérêt. Je n'en doute pas. Et si je gelais tout ça? Non. Oh, vous êtes pénible, hein. Ouais, voilà. Il m'agace, ouais. Paf. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. Mais... comme incroyable, ça. Non, le coffre s'est ouvert. Non. Mauvais bouton. On va juste faire ça avec Mipha rapidement. Bon, en fait, je crois que le ZR de Mipha, c'est vraiment pour la mettre en hauteur et pouvoir enchaîner sur les attaques aériennes, quoi. Ouais, je crois que c'est ça. Ça a l'air d'être ça. S'il n'y a que cela pour te faire plaisir. Pendant ce temps, Link qui fait ses coups monstrueux. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. Ok. On va aller vers là. Même si. Je sais pas trop où ça va être la fin. Il est censé être où le mont foudre? Si j'utilise ça. Allez. Ok. On va essayer d'emmener Mipha ici. Mais à mon avis, il sera pas trop à temps. Non mais toi, tu veux pas rentrer dans l'arène, toi? Plutôt que m'emmerder, de dehors. On y va. Parce que là, l'arène, enfin le fort, il a du mal à tomber, quoi. D'ailleurs, du coup, maintenant que j'y pense, on n'a pas tant de rubis que ça, hein. Enfin, c'est pas forcément très simple d'avoir des rubis, hein, dans ce jeu, j'ai l'impression. Boum, 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 boum. Ah, quand tu fais tout l'enchaînement. Bam. C'est quand même violent. Ah bon, et toi? Ouais, pendant ce temps, Mipha. Ouais. Toi, je me doutais qu'on te verrait, toi. Étrangement. Pauvre Sido. Silinel. Petit Linel. Non mais alors, attends, voilà. Ah bah ok, on bosse ça qui s'est épais. C'est normal, hein, si vous y voyez rien, moi non plus, hein. Je vous rassure. Ouais, aussi chiant à tuer qu'un Linel, hein. Aussi chiant à tuer que les vrais, hein. Après, et là c'est un Vanilla. Ils ont cette tête là, Vanilla, c'est pas un... Il est pas vénère, lui, déjà, de base, là.
pas sûr. J'aurais pu me rappeler. Parce que les linelles noires, ils sont comment? Donc là, j'aurais dû fuir quoi. Allez. Bam. J'aurais peut-être dû le taper un peu plus avant. Je sais pas. Non mais reste pas dans la... Non mais ça se passe hein. Tout se passe bien hein. Ouais. Trop tard. Tu vas mourir ? Merci. Ça va être l'heure de la créature divine, je sens. Baruta. J'ai jamais fusionné mes armes de la vie. Attendez, si je... Voilà. Triomlé par type. Dégâts infligés plus 2% tous les 100 KO. Ouais, bon bah on va virer ça. Épée de soldat. Ça on peut la virer. Ça on peut la virer. Ouais. Ensuite, ça on peut le virer. Ça on peut le virer. Et ça on peut le virer. Voilà. Très bien. Ah, j'ai gagné un casque Zora. Incroyable. Ah bah attendez. Non, c'est la tenue Zora qui avait été faite par Mipha pour nous. Techniquement, je crois. Oui, sachez que je vais spoiler Breath of the Wild. Hein. Même si on parle de trucs qu'on n'a pas fini en let's play, tant pis. Hein. J'espère qu'il n'y avait pas de Zora au milieu. Mais c'est... Ah.
Dans l'eau, vos attaques de glace sont plus puissantes. Mmh. Certaines attaques ennemies peuvent être annulées avec L. Vous donnez un coup de fou avec la trompe de Ruta. R pour faire un projectile de glace. ZR pour faire tomber sur l'ennemi 1000 lances de glace. Ok, on va s'amuser. Bon, après, c'est pas mes phases préférées. Mais, on va s'amuser. Let's go. Alors. Boom. Comment ça marche l'interception? D'accord. Avec A? Ah oui. Merde. Voilà, bam. Ouais, salut, hein. Ah ouais, salut hein. Aïe. Bon, j'avance hein. Moi je vais avancer en mode voilà hein. Ah oui, coup fatal. Ouais, ça fonctionne de la même façon un peu. Ouais. Ouais, c'est la même chose que pour l'autre hein. Pour le coup. C'est le petit rayon de la mort. Petit Kamehameha là. Et on éradique tout. Baf. Ouais, y'a plus personne quoi. Là du coup y'a plus personne. Alors qu'on détruit les montagnes. Après ouais, du coup tu sens quand même la puissance de la créature divine. Ouais, toujours plus. Imaginez un monde où dans Breath of the Wild 2, on a des gangs de Linel comme ça. Je meurs et on fera jamais le jeu en caleçon challenge quoi. Oh mais stop là. Ouais. Bam. Cassez-vous là. Ah, il y en a encore un là. Mais il est où là? Elle est où cette bait? Secours. Bah ouais mais... Voilà. Ok. Du coup c'est bon? Visiblement c'est bon. Alors je lis pas les dialogues qu'il y a écrit en bas, mais je les lis, mais pour moi, mais c'est vrai que je les lis pas à vote pour le coup. Donc ça je vous invite à le faire, hein, c'est toujours plus de lore. Après généralement c'est pas des phrases... Pour l'instant j'ai rien révélé de très important, de subir, on va dire. M'a fait prendre conscience que nous n'étions pas encore prêts à affronter le fléau. Cette menace concerne tout autant les auras que les autres peuples. Par conséquent, en tant qu'habitants d'Hyrule, nous nous devons de remplir notre devoir. Approche, Mipha. Oui, père. Tu t'es montré digne de piloter la créature divine. Je t'en confie les commandes. Toutefois,
promets-moi de revenir saine et sauve. Alors, le fait est que dans ce jeu, je sais pas comment ça va finir. Ça se trouve, ça va être une happy ending. Mais dans les faits, voilà. Voilà, quoi. Comment dire Mipha la bête. Bon, mais du coup, maintenant, on va aller voir l'insupportable. Mipha, princesse des auras. La princesse des auras possède le pouvoir de soigner les blessures d'autrui. Ce pouvoir qu'il avait lu. Oui, non, mais oui. Eh oui, elle s'entend très bien avec Link, effectivement. D'accord. Donc là, on débloque toujours plus de... Au secours. Oh, ok, bon, j'ai passé un truc, visiblement. L'envie d'apprendre à nager. Ah bah oui, apprends à nager. Vas-y. Suis-je devenue plus forte ? Bon, c'est un petit Zora qui avait envie de... Hein ? Se téléporter vers une fontaine et sauter en l'air. Ah, ça se tépé. Vos attaques fortes font jaillir des fontaines renfermant un pouvoir de soin. Ah ouais, ils ont mis son gameplay pour qu'elle puisse soigner quand même. C'est bien ça. Nouveau combo pour l'épée. Hein ? Nice. Ah là là. Toujours plus de combos pour Link. Si j'ai. C'est quoi le truc c'est quoi, c'est une ah c'est une tenue ça non? Pas mal. Que je débloque aussi en plus. Ouais, le casque isolant. Les petites tenues là. Petite tenue du plaisir. Bon, je pourrais acheter tout ça après. En vrai, est-ce que c'est... je sais pas si c'est vraiment utile que ça je le fasse en vidéo, mais je me dis que ne serait-ce que comme ça au moins vous pouvez lire le lore. Après, il faut qu'on puisse les prendre, quoi. Parce que là, par exemple, on n'a pas... mais ça, je les ferai en off, ça, on a dit. Ça, on a dit en off. Mipha, cœur max. Ouais, combat, relais. Ouverture de l'entrepôt Goron. C'était vraiment impressionnant. Très bien. Voilà, on a le détecteur Sheka. Ok. Daru combo max, voilà, on cherche les combos max. Et là je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Attaque standard, ouais. On va faire ça aussi. On le fait maintenant? Allez, on le fait maintenant. Allez, hein. Allez, Mipha. Ah mais par contre, alors attendez, parce que non, en vrai il y a un truc qu'il faut que je fasse. Non, j'irai pas là, petit robot. Fusionner des armes, Link. Parce que ça va pas du tout. Bon, du coup je perds l'autre bonus, mais on va fusionner. Voilà. L'épée de soldat. Tu vas prendre ça. Pourquoi là je gagne des trucs? Bizarre quand même. Voilà, l'épée niveau 9. Je pourrais augmenter mon espadon. Ouais. Même si à mon avis c'est pas l'arme qu'on va prendre. Là, on est bien niveau arme. Zelda. Qu'est-ce qu'on veut lui augmenter, elle? Ça, à la limite, hein, mais... J'avoue que du coup, j'ai pas trop suivi ce qui faisait que... Que ça... améliorait les autres trucs, en fait. Enfin, qu'est-ce qui faisait qu'elle récupérait de nouveaux bonus? J'espère que j'ai augmenté un qui était à 12. Hein. J'espère que j'ai pas fait la connerie de... Hein? Je ne sais pas. Bon. Toi, c'est bon.
Ah mais... Ah je peux utiliser les lances de voyageurs. Est-ce que c'est les mêmes que... Bah non. Hein? Attendez. D'accord. Les lances de soldats pour Link et les lances de voyageurs pour Mipha. Et j'ai un brise-montagne. Hein. Du coup je peux améliorer les brise-montagnes avec les casse-pierres. On va augmenter un peu les armes des persos, hein, histoire de dire qu'on fait des trucs. Voilà, cimetière des 7 joyaux, du coup, bam. Alors là, je cherche pas vraiment à être trop petit, hein. je sais, je cherche surtout à me faire de la place pour mes armes. Et du coup, let's go. Allez, du coup, let's go. Allez, let's go. Juste, on va changer l'arme de Link. Ah, on va changer la tenue de Link aussi. Je pense que là, je pense que je serais crédible auprès de Revali comme ça. Ah, attendez, est-ce que la batte... La batte, c'est... Ah, la batte, c'est épée à deux mains. Ça. Ça, c'est la lance, ouais. Bah, du coup, la lance, on va tester la lance avec Link. Let's go. Let's go. Les Piaf vivent dans un village aux confins de Tabanta. C'est un peuple aérien, muni d'ailes qui lui permettent de parcourir les cieux et qui excelle au tir à l'arc. Le fier Revali est le plus talentueux des guerriers Piaf. Accompagné de Link, Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi d'Hyrule au village Piaf pour lui demander de piloter Vamedo, la créature divine du vent. Le groupe décide de traverser une plaine enneigée pour éviter de se retrouver face à une horde de monstres, mais se fait surprendre en chemin par un violent blizzard. Link conduit Zelda en lieu sûr, puis part explorer les alentours, mais... On a la bonne tenue. Je pense que c'est parfait pour aller chez les Piaf. Alors, il est revenu. Oh là 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 là. Mais non, mais Revali, mais au secours. Aussi longtemps que je serai en vie, je ne te laisserai pas mettre un pied dans le village Piaf. Ah ! Ah, c'est... Ouais. Non, mais Revali, hein. Est-ce que je suis surpris ? Non. En réalité, non. D'accord. Du coup, on apprend la lance, hein. Bon, je préférais l'épée, hein, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Après, en vrai, c'est sympa, hein. Je dis ça, mais en vrai, c'est sympa. Pour l'instant, je m'amuse. Pour l'instant, c'est marrant, la lance. Mais... Alors, il manie à les... Ah, mais oui, c'est les épées Piaf, ça. Effectivement. Bon, par contre, du coup, voilà, hein, tu vas chez les Piaf, ils t'attaquent. Hein. Elle est vachement respectée, la princesse Zelda, hein, chez vous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Et du coup, est-ce qu'on va apprendre pourquoi Revali nous en veut autant? Parce que là, en plus, on avait même pas encore l'épée de légende. Donc, alors comment on va rentrer? Il y a un courant ascendant juste en dessous. Vu. Pont du village Piaf a été détruit. Ouais. Super.
C'est quand même marrant la lance. Quand même marrant. Ouais, quand même. Parce que moi, du coup, je pensais que ce serait la première fois qu'il nous verrait, Revali. Mais pas du tout. Pas du tout, visiblement. Il nous connaît déjà. Il nous déteste déjà. Visiblement, tous les piafs nous détestent aussi. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas vu son attaque A. Ok. Bon, Link. Non mais. Ah non, il peut pas aller là. Bon, va là. Sale prix. En fait, ouais, du coup, les points d'eau, c'est des TP. Parce quoi. Donc, en fait, par exemple, je peux faire ça. Non. Ouais, si. Voilà, en fait, j'invoque un point d'eau. Et si je veux, je me téléporte au point d'eau, quoi. Voilà. Nickel. Alors. Bah, du coup, il faut que Link me suive, en fait. On n'avait pas vu le paravoile de Mipha. Non mais... Secours. Pas trop compris pourquoi elle s'est pas posée au bon endroit. Sale bait, hein. Il m'attend dans le groupe là. Quel enfer. Oh non mais il est sympa son combo aérien aussi. Hein. Ok. Salut. Aïe. Ouais salut hein. Il m'a bien vu en tout cas. Hein. Mais non mais... Je m'énerve. Ah oui du coup ça m'a heal. Trop bien. Trop forte. Chef des forces piaf est au village. Il ne faut pas le monter, ouais ouais. Un parlementaire avait révalé, ouais. Ok, let's go. B et B, enfin c'est... Oui. C'est vrai que ça peut me permettre de... D'avancer vite, ouais. Ça peut être une technique, ça fait... c'est vrai. Alors que les monstres... Kourou. C'est notre 8. Non, 9ème. Ok. Salut. On est en train de le dérouiller. Ah ouais, complet. Complètement massacré. C'est agréable à jouer, Mipha. Je trouve. Bloup bloup. Mmh.
je peux regarder si je pouvais taper pendant ce temps. Pourquoi là il m'a écrit que je pouvais attaquer alors qu'il me le faisait pas avant? J'ai pas compris mais... Écoutez hein. Ah, il faut que je fasse le A de Link. Sale bait. Non mais, finis-le. Finish him. Ok. Ok, Mifa avance automatiquement, donc c'est... Non? Où elle va? Mifa? Non mais va ici. Ouais, faut juste que je teste mon A avec Link là. D'accord. C'est une façon de dire bonjour. Ça a marché plutôt bien. Oh là là. Non mais la barque a été détruite. Juste pulvérisée en fait. Des escadrons archers. Ah. Link. Pour toi ça. Ok. Aïe. Mais c'est déjà fait là, donner l'instruction aux alliés, le tuto. Le tuto, je l'ai compris. Hein. Là, c'est sûrement parce que c'est le chapitre 2 là quoi. J'ai encore le tutoriel, j'imagine. Non mais ça se passe bien. Hein. Ça se passe plutôt bien. Hein. Attendez, là il y a un. Ah, c'est juste qu'il y a un groupe d'ennemis, d'accord. Je pensais qu'il y avait un gros ennemi. Mais non. Alors. Non mais. Hein. Ah, petit strike. Là, il y a Mifa qui veut essayer de. Hein? Qui essaie d'avoir des pensées divergentes, mais non. Oh, dommage. Voilà, c'est bon. Et paf! Mifa qui est à fond. Link, ouais, voilà. A chaque fois, hein. Je sais pas pourquoi j'ai ce réflexe d'appuyer sur A, mais c'est de la merde. C'est de la merde comme réflexe. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bon. Non mais. Ah oui, parce que même, ok. Donc attendez, non mais Link. Hein? Ah ok, je peux voir les modules Shaker, ok. Ouais, reste là Link. En fait. Laisse Mifa s'en occuper, ça ira. Ça devrait aller. D'accord. Aïe. Mais. En fait, le problème c'est que en l'air je peux pas esquiver. C'est ça le souci.
Forcément, je suis gratuit. Elle a refait une fontaine au moment où j'ai décidé de me TP quoi. J'ai mis faire. Mais c'est vrai que bon. Saloperie. Du loot. Toujours plus de loot. Oh, on se calme. J'ai dit on se calme. Ah ouais. Oh la violence. La survénère. Oui. Survénéritude du perso. Du coup, évidemment, voilà. Donc là, il va falloir que... Ah, je sais pas trop, en fait. Si, il va sûrement falloir passer par là. Donc, va rejoindre Link. Ok. Non, mais là, on s'en fout de... Pas contre vous, hein, mais on s'en fout un peu de vous. Hein. Non mais... Si vous voulez, on fait ça comme ça. Hein. Ah, par contre, la puissance de l'attaque A, c'est méga vénère. Hein. Ouais, là on est sous le village. Je reconnais. Ok. Bonjour. Bon bah on arrive au village Piaf. Qu'est-ce que tu vas faire, Evali? Ah, petit Kourougou. Toujours un de plus, hein. Le jour où on devra les chasser, on sera content. Ah ouais, non mais... Ouais, c'est là. C'est là qu'il faut que j'aille. Progression arrêtée. Pourquoi? Pourquoi ta progression, elle s'est arrêtée? Parce qu'elle a atteint le point qu'elle voulait. J'avais cru qu'il y avait un ennemi en fait, mais visiblement non. Hein. Les meilleurs timings. Un jour j'arriverai à comprendre toutes l'entièreté des combos. Pour l'instant laissez-moi tranquille. Pour l'instant voilà. Ah ouais. Ouais c'est bon. Ah ici. Tiens, c'est gratuit ça. Avec une lance. La lance Piaf, hein, si j'ai pas de bêtises. Ah non, non, non. Hein? Voilà. Non. Donc ça c'est le neutral. Ouais, ça c'est le neutral, ouais.
Voilà, le 2 il me fait voler. Ça c'est le 2. Non, c'est le 1 qui me fait voler, pardon. Ouais. Ok. De toute façon, voilà, c'est petit à petit, je vais comprendre les attaques et je saurai mieux en mieux les placer normalement. Bon, allez, Révali. Alors, attends 2 secondes, mais allez. Alors, Mipha. Mipha, du coup, elle peut venir là. Nickel. Non, mais. Hein? Pardon? C'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Alors, est-ce qu'il faut du coup que j'ai Link avec l'épée pour le tirer à la flèche? Je sais pas. Ou est-ce qu'il y a un autre truc? Ah, peut-être qu'il fallait que je le cinétise. Attendez, on va essayer. Je voulais juste voir ce qu'il y avait là. Visiblement rien. Tandis que Mipha est arrivé à destination. Donc voilà, Mipha, tu vas aller. Va voir Révali. Peut-être que ça va le calmer. Si c'est pas Link qui arrive en premier, je sais pas. Petit doute, hein. Léger doute. Alors attendez, est-ce que si... Non, le ballon il s'en fout. Hein. Il s'en fout complet d'être cinétis. Hein. Non, non. Tant pis. Hein. Non, mais on va prendre Link. Cinématique. Comment vous dire qu'évidemment c'était pas prévu, hein. Aïe aïe aïe. Saloperie, hein. Non mais. Ah, par contre le thème, l'OST, hein. C'est un remix de son thème à lui, hein. Je dis pas de bêtises. Il semble que ouais, c'est spécifiquement le thème de Révalis, hein. Mais remixé. Et c'est stylé. Aïe. Ah, j'étais trop proche, quoi. C'est honteux. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Le coup de grâce. Bon, c'est vrai que je cherche pas trop à l'esquiver pour l'instant, mais... Je ferais mieux te préparer à quoi? Ah, phase 2? Non mais non mais non. Pardon?
Mais... Hein? Faut arrêter au bout d'un moment, hein. Ah mais... Non. Évidemment, j'ai fait le mauvais truc. Alors par contre, là, on va passer avec Mipha parce que... Ces bombes sont un peu plus adaptées, je pense. C'est un autofocus. Ok. On prend ça dans la gueule. Voilà, tu prends rien, mais... Ok, voilà. Et ok, c'est fini. Très bien. Ah bah elle, elle a mis une vraie tenue. Bon alors là, ce coup-ci, il n'y a pas de... Il y a pas de voix off. Mais bon. J'ai compris ce qu'il s'est passé. Je suis si soulagée que vous soyez tous les deux sains et saufs. Mais... Qu'il existe un gardien identique à celui-ci, voilà qui m'intrigue grandement, Votre Altesse. S'il est lié d'une quelconque manière au fléau, nous devons au plus vite prendre des mesures. Et pour cela, vous allez avoir besoin de mes talents, c'est bien ça? Pour piloter la créature divine. Tout de même. Le chevalier élu pour assurer la protection de la princesse, j'ai du mal à croire que ce soit un tel gringalet. Qu'est-ce qui lui prend? Apparemment, il veut faire savoir qu'il est lui aussi un chevalier au service de son Altesse. Pardon? Eh ben, on peut dire que vous faites une belle équipe tous les deux. Elle était donnée celle-là en même temps. C'était obligé, c'est obligé. Quand le robot il a dit quelque chose pour dire ça, bon déjà Rivali il a reculé de 4 mètres, hein. On se demande, hein. Voilà, mais à part ça tout va bien. Bon, bah très bien. Du coup chapitre 2 terminé là. Ce guerrier Piaf a des talents jugés exceptionnels, même au sein de son peuple. Ce sont ses pouvoirs qui l'ont valu d'être choisi pour piloter la créature divine Vamedo. Il est très fier de lui-même. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais fait preuve de compétences qui justifient son comportement. Ouais. Donc c'est justifié d'agir comme un connard quand on a les compétences. J'exagère. On va se calmer là? Pourquoi j'ai autant de trucs là d'un coup? Ah! Étape d'Hyrule, niveau conseiller 16. Bon bah voilà. Alors bon, mon Link il est niveau 16.
Mon Link est niveau 16. Finalement, c'est très bien, en fait. Finalement, c'est super bien équilibré. Incroyable. Mais... avant de faire ça... Évidemment, on va... Moi, je vais faire une pause, déjà, parce que ça commence à faire... quasiment 3 heures que je tourne derrière, je crois. Voilà, j'ai enchaîné tout le chapitre 2, du coup. Mais je pense que je vais un peu continuer encore, ne serait-ce que du coup pour un peu XP les persos. Je pense que je prendrai pas les améliorations en off, pour le coup. Combo, ah non mais... J'aurais bien aimé avoir le combo pour Revali. Mais voilà, bon, je vais faire les combats, je pense, en off, histoire de... Nouveau combo pour la lance. Voilà, un combo Y en plus. Nouveau combo pour la lance. Très bien. Ah bah oui, c'est le combo qui lui va de pair. Très bien. Bah écoutez. On peut encore faire des trucs, hein, voilà. Mipha, cœur plus 1, etc, etc. Bon. En tout cas, je pense que... Ah oui, nouveau combo pour les pains de main. Allez. Nouveau combo pour Yabra, ça. Ce n'est que le commencement. Ils vont être sur vénère. Trop bien. Bon, voilà, bah du coup, voilà, je pense que moi je vais faire les combats un peu... en off. Allez, il y a 5 combats pour Link. Je sais pas si je le ferai du coup. Parce que Link, en termes de level, il est bien. Donc je sais pas si j'ai très envie de monter le level de Link. On verra. On verra, c'est pas sûr. Zelda, cœur max. Cœur max. Non, moi je veux des combos. Moi c'est les combos qui m'intéressent pour l'instant. Pas les cœur max. Bref, en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine du coup pour la suite du scénario d'Hyrule Warriors. Je pense que c'est mieux comme ça, que je fasse les combats en off. Histoire que moi je ferme les trucs de mon côté. Je puisse m'amuser un petit peu, et si je les fais en, si je me dis je les fais en vidéo, on va se retrouver avec 25 épisodes où ça va être que du combat comme ça, et on va avancer encore moins vite. Donc voilà, bah, moi je vais avancer vite, c'est pas un souci, mais pour que le let's play avance à peu près correctement, voilà, hein, vous voyez là j'ai squeeze un épisode, normalement j'aurais dû couper avec Mipha et reprendre, faire un autre épisode avec Revali. Mais fuck it. Et finalement j'ai bien fait, parce qu'on était à une demi-heure à peu près sur les deux, et si je blablatais pas autant, la vidéo elle ferait moins d'une heure. Bref, en attendant, portez-vous bien. Bye bye.